بس شوف معي الآن الدنيا هنا عندي هنا 1 cosinus x = 1 وهذه سيت اون فورمول بور نافورت كيل اونغل اي يو اكس فاهم دونك انا هو رومبلاسي كوسينوس اكس بار ان دومي سي ان دومي اون كاري بلس سينوس كاري دو اكس ايكال ا ديس الو سي ان كار ان دومي اون كاري سي ان سور 4 بلس سينوس كاري دو اكس ايكال ا Alors, c'est juste que l'X égale à combien? A moins 4. A moins 1 sur 4, ça fait 3 sur 4. Bien sûr, là, on peut écrire 1, 4 sur 4, moins 1 sur 4, ça fait 3 sur 4. On a un réel au carré qui égale 3 sur 4. D'accord. Alors, c'est juste X égale combien? 3 sur 4. Ah, c'est combien? La 5 carré. C'est ça la première question. X au carré égale à A. On va prendre X appartient à R avec X au carré égale à A. Alors, X égale moins racine de A ou X égale racine de A. C'est-à-dire ici, un réel, c'est sinus X au carré égale 3 sur 4. Alors, sinus X égale racine de 3 sur 4 ou bien sinus X égale. Moins racine de 3 sur 4. Or, le sinus X, on a sinus X, c'est un réel compris entre 0 et 1. C'est-à-dire qu'il doit être un réel. Quel est son signe? Entre 0 et 1, je suis court. Quel est son signe? C'est un réel positif. Alors, on va prendre sinus X égale racine de 3 sur 4. Allez, c'est terrible. Mais je m'en fous, sinus X égale moins racine de 3 sur 4. D'accord, là. Non, d'après la formule, si on a X au carré égale à A, si A appartient à R plus 1, voilà. Alors, A égale 1 réel au carré. X au carré égale à A. Alors, d'après la formule, X égale moins racine de A ou bien X égale racine de A. D'après cette formule, on va l'appliquer ici, sinus x au carré égale 3 sur 4, c'est-à-dire sinus x égale moins racine de 3 sur 4, ou bien sinus x égale racine de 3 sur 4. Et comme x, et comme sinus x est compris entre 0 et 1, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est un réel positif. Donc on ne peut rendre qu'un seul résultat, donner racine de 3 sur 4. On peut dire comment racine de 3 sur 4? C'est racine de 3 sur racine de 4. C'est-à-dire racine de 3 sur 2. Avec la question plus tard, la question plus tard, la tangente x, c'est tout simplement, on va appliquer la problème, c'est la prévention. Sinus sur cosinus. Alors, tangente x égale sinus x sur cosinus x. Sinus, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, et le cosinus, c'est 1 demi. Alors, égale racine de 3 sur 2 fois 2 sur 1, c'est-à-dire égale à racine de 3 sur 1, c'est-à-dire racine de 3. Donc, vous voyez, c'est un exercice simple. Oui. C'est une application. Oui. C'est la fonction.